Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Une boule de feu sur la croix. Pendant la cérémonie, un catholique a pris une photo et à sa grande surprise, il a constaté qu'une lumière intense était présente sur la croix au milieu de l'autel. Voici cette photo. Moi, je dois avouer que cela fait 18 ans que je suis avec Marie de Medjugorje. Je ne suis jamais allé à Medjugorje et pourtant je suis très accroché à ce petit village. À chaque fois que j'ai tenté d'y aller, il y a toujours une raison pour que cela ne se produise pas. Je pense que Marie veut que je serve d'exemple à tous ceux qui ne peuvent pas y aller, pour des raisons d'argent, de distance ou de santé. Car oui, en effet, on peut recevoir toutes les grâces que Marie veut nous donner à Medjugorje, même si on est loin, j'en suis une preuve vivante. Alors comment j'ai fait? J'ai commencé par prier avec le cœur. Puis j'ai ajouté les sacrifices. J'ai compris l'importance des sacrifices. J'ai ajouté un jeûne très personnel, c'est-à-dire que je saute des repas pour Marie. Je suis allé à la messe régulièrement chez moi. Je suis allé prier dans l'église. J'ai cherché à faire la volonté de Dieu. J'ai écouté les conférences de religieux sur Internet. J'ai appliqué les messages de Medjugorje dans ma vie. J'ai aussi écouté et réalisé les conseils des religieux de Medjugorje. Tous les jours à 18h40, je me suis mis en prière pendant l'apparition de Medjugorje qui dure 10 minutes. Et j'ai senti la présence de Marie. J'ai reçu toutes les grâces dont j'avais besoin à 18h40. J'ai aussi engueulé Marie pour qu'elle vienne m'aider car je n'en pouvais plus. Je lui ai dit que je pouvais faire beaucoup pour elle, mais qu'il me fallait énormément de grâce, car sinon je ne pourrais rien. Que je comprenais qu'elle ne pouvait pas donner à tout le monde, mais que si elle voulait gagner son combat contre Satan, qu'il fallait me donner beaucoup, beaucoup plus de grâce que ce qu'elle me donnait. Que je voulais bien être son soldat, mais qu'il fallait multiplier par 100 les grâces, car sinon je ne pourrais pas tenir. Je comprends que vous ayez du mal à engueuler Marie. Mais l'avantage, c'est que vous faites des prières efficaces, des prières faites avec vos tripes. Et en plus, vous faites ce que Jésus ou Marie demandent, c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur. Oui, il peut y avoir de la colère dans votre cœur. Et c'est normal, car comment ne pas être en colère alors que nous, on jette de la nourriture alors que l'Afrique meurt de faim, alors que les Arabes s'entretuent et que la France subit une immigration massive alors qu'il y a urgence à arrêter la pollution et qu'on ne fait rien depuis 20 ans, alors que des gamins de 14 ans sont tués à coups de marteau, de couteau ou de mitraillette dans les rues françaises. Comment ne pas être en colère quand les petites filles ne veulent plus être des princesses, mais des sorcières? Et que l'on veut faire jouer les garçons avec des poupées, alors que des étrangers qu'on a accueillis chez nous détruisent nos églises. Oui, toute cette colère est en vous. Il faut absolument la faire sortir pour que Marie puisse remplacer tout ça par de l'amour. Vous l'avez compris, le plus important à Medjugorje, c'est d'ouvrir son cœur. Bonne nouvelle! Il existe enfin un livre en français avec tous les messages de Medjugorje de 1981 à 2021. Cela intéressera toutes les personnes qui veulent suivre la Sainte Vierge et tous ceux qui veulent se former à l'école de Marie. Il est sur Amazon avec le titre « Tous les messages de Medjugorje ». Vous pouvez le trouver en faisant une recherche avec « Medj message ». Je mets aussi un lien sous la vidéo dans la description. La création. Thank you.
pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Marie. Fermez les yeux et répétez après moi. Marie, prie très très fort pour la famille de Jacques. Prie aussi pour que Jean-Charles présente sa petite fille à sa famille. Prie, Marie, pour les abonnés qui veulent devenir apôtres. Et enfin, prie pour tous les abonnés qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus. Si vous voulez me contacter en privé pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, un miracle, voici mon adresse mail remy.croassier@orange.fr. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. J'aime vraiment votre vidéo. Oui, je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Alors si vous trouvez qu'elle est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit « A » en rouge. Sinon, vous pouvez regarder mes autres vidéos en cliquant sur les liens.